Bonjour et bienvenue à la chronique Mise en forme 101. Aujourd'hui, c'est notre première capsule sur la perte de poids. Il existe trois moyens pour perdre du poids sainement: la nutrition, l'entraînement et la supplémentation. Dans cette capsule-ci, je vais vous présenter les meilleurs exercices, les 5 meilleurs exercices pour perdre du poids. Pour le premier exercice, le squat. Une flexion des genoux debout. Ceux qui ont plus de flexibilité peuvent descendre un peu plus bas. Faites attention à ce que vos genoux ne dépassent pas le bout de vos pieds. Degré de difficulté plus élevé, le squat avec saut. Assurez-vous de bien amortir votre atterrissage à chaque fois. Le deuxième exercice, les fentes latérales. Faites une flexion des genoux avec un transfert de poids de gauche à droite. Votre genou ne devrait pas dépasser le bout de votre pied et allez porter votre pied opposé très loin derrière en extension. Un peu plus de défi, fente latérale avec saut. Assurez-vous de bien contrôler votre saut et votre poids lorsque vous faites l'exercice. Le troisième exercice, c'est le demi-burpee. Apportez vos mains au sol, éloignez vos jambes de vous une à la fois, apportez-les une à la fois, faites votre extension du corps complet. Pour un degré de difficulté plus élevé, le burpee. Apportez vos mains au sol, éloignez vos jambes vers l'arrière avec un léger saut, en extension complète votre corps, apportez vos jambes avec un saut et faites un saut à l'extension. Quatrième exercice, c'est le step-up. Une jambe à la fois, vous allez monter sur un banc et faire une extension complète avec vos jambes. Vous alternez de jambes à chaque répétition. Pour ceux qui sont un peu plus avancés, faites un saut sur le banc, deux pieds joints, et faire une extension complète à la levée. Contrôlez votre atterrissage en position squat. Et pour terminer, nous allons faire des Turkish Get-Up, notre cinquième exercice. Position couchée, au sol, pointée, une main vers le ciel, gardez-la pointée au ciel. Nous allons vous demander de vous lever et de vous coucher. Vous avez deux côtés, donc alternez à chaque répétition. Assurez-vous d'avoir une jambe droite, de lever votre corps avec votre main, votre jambe, ramenez une jambe à l'arrière, faites votre extension complète et revenez de la même manière que vous vous êtes levé pour vous coucher et retrouver la position initiale. Pour optimiser les exercices pour la perte de poids, on va le transformer en programme. C'est super simple, on va faire un circuit. Prenez les 5 exercices. Une minute d'effort par exercice sans prendre de pause. À la fin des 5 exercices, une minute de pause. Ça, c'est une série. On va faire 5 séries. Je vous lance le défi de le faire 3 fois par semaine. Rappelez-vous, le niveau de difficulté est en fonction de vos capacités. Prenez celui qui vous convient. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième chronique sur la perte de poids, la nutrition. Merci beaucoup et bon entraînement.